Bonjour à toutes et tous. Après la conférence de Christian, qui a eu lieu à midi, nous continuons notre deuxième journée d'exploration de ce corps, corps biologique, corps social, corps numérique, avec une table ronde qui va s'interroger, qui va s'interroger sur... Les métavers et sur une nécessaire ou non nécessaire régulation, mode de régulation à appliquer dans ces espaces virtuels. Autour de moi, j'ai euh, trois invités. Il nous manque une personne, Axel Lemaire, euh, qui est malade et qui s'excuse. Donc, euh, elle aurait apporté encore, je pense, un autre point de vue. Euh, mais on va pallier à son absence par encore plus de, euh, de discussions autour de cette, de cette thématique. Je vais demander à mes amis de se présenter de manière succincte pour qu'on comprenne chacun de, du point de vue duquel vous allez, par, vous allez parler. Vincent Bonjour à tous. Euh, je suis Vincent Lorphelin. Euh, je suis, je fais du conseil en stratégie et avec une orientation particulière vers la propriété intellectuelle, les brevets en particulier. Euh, J'accompagne les euh, futurs licornes euh, de, euh, du numérique euh, vers euh, leur stratégie et euh, pour essayer de euh, protéger leur savoir-faire hein, pour faire face à la, la, la concurrence des big tech euh, américaines et chinoises. Et puis par ailleurs, j'ai fondé un, un think tank qui, qui s'appelle Controverse, et qui rassemble les meilleurs spécialistes euh, français et européens sur... Euh, le, le métavers et on essaie de discuter ensemble pour faire émerger une vision alors on balbutie tous hein, parce que ce, tout ça est très nouveau donc on est on, même rien que sur la définition du mot métavers il euh, y, y a autant de définitions qu'il y a d'experts. Donc, vous voyez le type de discussion qu'on peut avoir ensemble. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'éclairer les décideurs publics à essayer d'y voir clair pour prendre des bonnes décisions et en particulier de réguler. Et on fait ça essentiellement au travers de publications dans la presse. De vous, vous nous lirez dans les échos ou dans le monde essentiellement. Merci, très bien. Michel. Bonjour. Donc, Michel Salofkost. Donc, euh, mon, mon métier depuis 30 ans, c'est le futur, c'est l'anticipation sur ce qui va se passer. Donc, euh, je me suis intéressé très tôt à Internet, qui n'existait pas encore à l'époque. Euh, ça s'appelait en France le Minitel, par exemple. Et en préparant cette présentation, je me disais, bah, en fait, on retrouve la même problématique que. Au moment où est apparu le minitel, de se dire mais à quoi va servir ce minitel, etc. Et puis après Internet est apparu, puis aujourd'hui le métavers. Et effectivement, mon, mon travail consiste beaucoup à, à réfléchir, à analyser à ces, à ces transformations qui vont euh, nous amener. Et c'est la, la thèse que je développe dans une vingtaine de livres, nous amener à une nouvelle civilisation, à, à un monde en, en pleine transformation. Voilà. Merci. Et, et sinon, je, je dirige la, la, le, la prospective dans, une, euh, la, dans la plus grande université privée d'Europe, qui est l'université catholique de Lille. Voilà. D'accord, très bien, merci, Ariel. Donc euh moi j'ai plusieurs activités. Pour résumer, j'en ai deux essentielles. J'en ai une qui est d'être le directeur éditorial de quelque chose qui s'appelle le laboratoire des solidarités d'une fondation qui s'appelle la fondation cognac -Jay, qui réfléchit sur les logiques de solidarité, notamment du futur. On a récemment sorti un livre qui s'appelle Nos futurs solidaires avec 14 nouvelles de science-fiction sur ces questions-là. Et je mène tout un travail de recherche, de mon, euh, à la fois avec la revue Multitude et puis avec une série de livres avec un axe très fort sur la question des imaginaires du futur, puisque j'ai sorti il y a deux ans un, un bouquin qui s'appelle Dans les imaginaires du futur, euh, qui va être réédité en poche, parce qu'il a plutôt pas mal marché, donc euh, en mars. Voilà. Et euh, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je change à chaque fois. Depuis quelques mois, je dis bizarrologue. En fait, parce que, je, voilà, parce que je pense que la vie est plus belle quand on est bizarre, de la même façon que les seules data qu'on lui sent sont celles qui sont dada, c'est-à-dire celles dans lesquelles on met le chaos. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis, après avoir, par exemple, découvert euh, la réalité virtuelle, parce que le métavers n'existe pas, comme chacun sait, ça s'appelait la réalité virtuelle, avec Scott Fisher euh, à Beaubourg, fin 89, euh, début, voilà. donc après avoir. Euh, était sans doute aussi écrit mon premier site internet en 1995. Par la force des choses, dans le monde d'aujourd'hui, je suis assez férocement technocritique, mais en gardant le sourire, je vous rassure. Très bien, merci. Donc c'était Ariel Kirou. Est-ce que tu n'as pas donné ton Oui, Ariel Kirou, voilà, avec k i r comme ça ne se prononce pas. Très bien, merci, merci. Alors peut-être pour pour commencer, Vincent, vous avez posé un une bonne, une bonne problématique, c'est que, et chacun après pourra euh, réagir, c'est qu'apparemment, le métavers n'a pas une définition, il y a plusieurs définitions, plusieurs perceptions. Alors, quelles sont peut-être ces, ces différentes facettes de, de, du métavers Et est-ce qu'on arrive quand même à s'entendre sur, sur, sur quelque chose avec effectivement la notion un peu marketing Pour l'instant, ça n'existe pas, comme le rappelait euh, Ariel. Et d'ailleurs, Zuckerberg, enfin, Facebook est en train peut-être d'essuyer de, quelques plâtres. Alors, est-ce qu'on peut préciser ce qu'est le métavers euh, Alors. Je serais bien en peine de vous donner une définition, mais je vais vous proposer quand même un, une manière d'appréhender le sujet. Alors, première approche, vous avez vu tous la, euh, la campagne publicitaire qui est faite par Facebook, maintenant Meta, euh, sur euh, le, le métavers et qui présente ça comme un monde immersif, donc avec lequel on accède avec un casque. De réalité virtuelle qu'on met sur les yeux et qui permet d'avoir euh, un, un monde stéréoscopique en 3D, avec une composante évidemment de réseau social. Hein, on est, c'est quand même Facebook, Instagram, euh, et puis euh, une composante aussi de euh, allez, une forme de jeu virtuel massivement multijoueur. Donc voilà le métavers, la définition qui serait qui serait la plus visible parce que tout simplement il y a une campagne publicitaire qui est faite par Facebook Meta. Maintenant, on va avoir euh, d'autres. Vous avez, il y a, a peut-être euh, des, 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 des jeunes personnes ici euh, où euh, vous avez des enfants qui jouent à des jeux vidéo. Fortnite, par exemple, se joue sur une Xbox, sur une, un écran de télévision ou euh, sur un PC, et Fortnite se présente aussi comme un métavers. Donc, on n'a pas besoin de casque pour pouvoir accéder au métavers selon Fortnite. Et puis, on va avoir Apple. Qui est en train d'arriver lui-même avec des lunettes de réalité augmentées. Alors ça, ce n'est plus du tout un casque. On n'est pas en train de regarder dans un monde virtuel, mais on voit le monde nous simplement. Enfin, le monde qui nous entoure, le monde réel. Simplement, il est augmenté à l'intérieur des, des lunettes par des informations qui viennent en superposition et qui donnent des renseignements sur le monde réel. Donc, vous voyez, il y a finalement tellement de définitions possibles. En fonction des intérêts des grands acteurs qui vont, euh, euh, qui vont intervenir et qui vont s'approprier le mot métavers. Maintenant, alors je, je, je finis là-dessus. Oui, euh, oui. pour, pour essayer de rassembler, quand même, essayer de, de donner une certaine consistance à ce mot métavers, ce qui fait quand même consensus, c'est de dire, c'est la nouvelle vague de la transition numérique. On a eu le web, on a eu l'ubérisation, on a eu le smartphone, on a eu le commerce électronique. Et cette vague qui arrive, finalement, il y a plein de composantes. Il va y avoir la réalité virtuelle, comme on vient de le dire, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle, on va avoir la blockchain, on va avoir les cryptos, etc. Plein de choses qui vont former ensemble. La nouvelle vague, mais on sait déjà, et là aussi un consensus des analystes, que cette vague sera plus puissante que le web, le commerce électronique et l'ubérisation réunies. Il faut plutôt comparer ça et mettre ça au même niveau d'abstraction que le multimédia en 2000. Un mot qu'on aurait été bien incapable de définir, mais qui a été suffisamment évocateur pour pouvoir prendre des décisions, et puis qui s'est ringardisé. En quelques années, euh, parce qu'à bah, un moment donné, il devient évanescent. On plus... Et je pense aussi que le mot métavers va finir par se ringardiser dans, allez, si j'avais un pari à faire, dans les deux à cinq ans. D'accord, très bien, merci. Euh, messieurs, une, une réaction par rapport à, à, à ce que vient de, de, de proposer Vincent euh, Juste euh, pour continuer dans la, un peu dans la définition. Euh, il y a aussi euh, très clairement une grande utilisation du métavers dans l'éducation. Parce que euh, que ça soit sous une forme ou sur une autre, ça permet par exemple de circuler dans les galaxies plus vite que la vitesse de la lumière et d'aller visiter Mars, euh, etc. Je trouve que dans l'exploration le, dans spatiale, c'est tout de même assez extraordinaire mm -hmm. euh, le, le métavers. Il euh, y a l'aspect augmentation qui va permettre, euh, comme ce que propose Apple, qui va permettre au milieu d'un cours d'avoir les chiffres qui s'exposent. Enfin, ça, 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 va, ça va créer plein de choses. Donc, nous, euh, en tant qu'université, on est très intéressé par ça. Et on développe avec l'université de Valenciennes un métavers. Euh, un métavers qu'on souhaite euh, être un des premiers métavers dédiés à l'éducation, uniquement euh, sur l'éducation et euh, qui est une tentative de l'Europe de ne pas perdre la main dans ce domaine. Voilà. D'accord, très bien. Euh, alors, juste avant que... Parce que je sais que tu vas, vas réagir... Moi, il y, y a quelque chose qui commence à... à, à émerger, c'est de, de parler peut-être plutôt des métavers plutôt que du métavers, parce qu'effectivement il va y avoir, vous l'avez dit, euh, différents acteurs, des, des acteurs qui sont privés, d'autres qui sont publics, euh, et, et il va se poser un jour peut-être la, la question de l'interopérabilité entre ces, euh, ces, euh, ces, euh, ces métavers. Et effectivement, il y a toujours cette question de est-ce qu'il y a cette existence. Et personnellement, moi j'aimais bien pour essayer de comprendre ce qu'était ce, ce qu'est le métavers, c'était la notion d'univers persistant. C'est-à-dire que même quand on n'est pas là, la machine continue à tourner. Ariel, je vois que tu prends des notes. Oui, oui, je vois. Je... Alors, quelle, quelle, quelle réaction peux-tu déjà nous, oui, alors, nous, nous proposer par rapport euh... à, cette, à ta définition, peut-être, du, du, du métavers Pour moi, le métavers, la première fois que j'en ai entendu. D'abord, la première fois que j'ai découvert le mot métavers, mmh. c'est dans un livre de science-fiction. C'est Snow Crash, le samouraï virtuel, de Neil Stephenson. Okay. Neil Stephenson, qui, comme par hasard, est le chef futuriste d'une boîte qui a réuni beaucoup d'argent pour ne rien faire, qui s'appelle Magic Leap, pour faire en gros ce qu'ils appelaient de la réalité mixte, hein, c'est-à-dire mêlant la réalité augmentée avec la réalité virtuelle. Bon. Et donc, Neil Stephenson a écrit ce livre en 1992, et dedans, le mot tel quel, métaverse, il vient de là. Voilà, il vient de là. Euh, et. Hiro Protagoniste, qui est un livreur de pizza à la seconde près, qui dépend de la mafia, euh, eh est, c'est l'un des âges du métaverse. Et évidemment, ça se passe mal. Il y a des drogues dans le métaverse. Hein, il y a un bug. Le, le Snow Crash est une drogue. Il y a LUSEC, il y a tout. En fait. Donc on est à l'antithèse de Facebook, dans lequel, dès qu'on a un petit bout de téton, on efface. Donc on est à l'antithèse. C'est-à-dire que le métaverse de Nell Stephenson, il y a de la vie. Alors qu'aujourd'hui, le métaverse de Mark Zuckerberg, ce n'est rien. C'est du pur marketing. Donc, voilà, premier point, c'est important de, de bien se rendre compte que la clé, avant même de rigoler, c'est est-ce que ça vit ou pas Sachant que moi, je partais plutôt sur une définition du métaverse qui était celle donnée par. Euh, l'inqualifiable Mark Zuckerberg qui est effectivement a l'air un peu crétin euh, surtout d'ailleurs lorsqu'il est en, en avatar mais bon peux-tu nous rappeler cette, cette définition de métavers? Euh, pour le coup selon Mark Zuckerberg hein, c est, c est, il a racheté Oculus à un moment donné Oculus Rift et donc c'est cette logique d'univers virtuel au fond finalement partagé hein, voilà et persistant potentiellement en tout cas hein. mais c'est l'univers virtuel qu'on partage à plusieurs pour faire des choses, pour agir, alors pour travailler potentiellement, pour vivre et autres, mais c'est un univers virtuel. Donc pour moi, le métavers, c'est du pur marketing. Après, j'avoue ne pas être d'accord à l'air de dire, les analystes qui disent, ça va être une vague encore plus importante, c'est le fameux Eldorado, forcément, c'est toujours plus important, mais et la dépense énergétique ce que coûtent les NFT Ce que coûtent les IA en dépenses énergétiques Le lithium C'est plus ou moins important que ce qu'on va dépenser en termes d'énergie pour le métaverse Qu'est-ce qui nous fait dire que ça va être plus important que l'Internet Plus important que l'éclosion des réseaux sociaux Personne ne sait. En revanche, le dire, quand on est analyste, c'est pouvoir faire fructifier les actions. C'est pouvoir spéculer, ce qui n'est pas forcément mal. Euh, mais on ne sait pas. voilà, On ne sait pas ce que va être ce truc. Et par ailleurs... Euh, Effectivement, si on y rajoute la réalité augmentée qui est une autre dimension, si on y rajoute d'autres types de technologies, le NFT, ça devient autre chose. C'est plus le métaverse de Facebook. C'est juste le monde numérique tel qu'il évolue et tel qu'on a envie d'en faire quelque chose de marketing pour raser gratis encore plus fortement demain. Donc voilà, le métaverse, c'est la nouvelle formule du je rase gratis des vendeurs de numérique. Alors, Très bien. Là, tu t'es quand même beaucoup, voilà. tu t'es concentré sur la définition de Facebook. Mais on l'a vu, ne serait-ce qu'avec l'université de Lille et peut-être les euh, initiatives européennes vont plutôt dans le dans, dans dans le sens des métavers et non pas que celui de euh, Zuckerberg, qui apparemment quand même euh, a quelques déboires puisqu'on lui reproche une certaine archaïsme de l'interface ou des ou des rendus. Et la question que je que je posais est-ce que à terme parce que, à moins d'un refus catégorique de, des utilisateurs, on va aller vers peut-être cette mixité entre ces, différentes, entre ces différents usages. Est-ce que euh, si on a des métavers, est-ce qu'on est qu pourra tendre vers une interopérabilité entre ces métavers, sachant que que je sois Facebook, Apple, Google, je vais chercher à imposer mon standard Comment, comment ça va se passer Quelles vont être, quelles vont être les, les possibilités, par exemple, pour une université comme, comme la Cateau de Lille, de, 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 de revendiquer son indépendance Est-ce qu'elle va, est qu va travailler sur une, sur une, infra, une infrastructure euh, achetée, entre guillemets, et puis elle va mettre son, sa couche comme, comme Android hein, le, le, le fait Ou est-ce qu'il peut y avoir vraiment des... métavers originaux qui vont arriver à se, à se parler, Michel alors, euh, je pense que le, le, le côté euh, interopérabilité et euh, tentative de créer des mondes parallèles va, va opérer en même temps. C'est-à-dire qu'on le voit bien d'ailleurs sur les plateformes, comment il y a une plus ou moins grande intégration et comment il y a une bataille des standards et des formes. Donc, on va continuer à avoir cette bataille euh, des, des systèmes, etc. Euh, pour ce qui est de, de, du débat qui est un peu lancé sur l'importance du métavers, ça mmh. c'est une autre question. Si vous voulez, euh, il faut bien se rendre compte chaque fois qu'on lance quelque chose de ce type que, au début, c'est comme Internet, c'est des choses assez primitives où c'était le Minitel, etc. Il faut pas voir le métavers comme euh, ce, qui enfin, ce, ce qui est en train de se passer. Enfin, ce qui est en train de se passer, c'est le début du métavers. Mais si vous voulez, il faut se projeter peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, où là, on aura des ordinateurs sans doute quantiques, on aura une capacité de calcul gigantesque, etc. Et donc, on sera précipité dans un métavers beaucoup plus sophistiqué que ce qu'on qu connaît aujourd'hui. Donc là, on est en train de faire... Les premiers pas dans un monde virtuel, il y avait déjà Second Life qui avait été déjà dans cet esprit. Et euh, l'ampleur de de, 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 et l'importance que peut prendre ce monde virtuel, il est, il est considérable. Tout simplement, pourquoi Parce que. Euh, ça ne va être que, enfin, d'une certaine manière, c'est le basculement d'Internet, de la manière que l'Internet au niveau primitif était un peu reboutant, rebutant, parce que bon, c'était juste des textes, etc. Là, après, le, le, le nouvel Internet, l'Internet actuel, bon, bah, il faut quand même, euh, il faut savoir circuler dessus, mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui est uti utilisé essentiellement par des gens qui ont une capacité de recherche, mmh, mmh. Euh, qui, ont, qui savent lire évidemment, euh, mais aussi qui sont dans, dans la, la connaissance, qui sont euh, euh, dont le métier est de mmh. maîtriser mmh. la connaissance. il y a plein de gens qui vont pas aller sur Internet parce que de toute façon leur vie quotidienne, enfin ils voient même pas l'intérêt d'Internet, etc. Alors que dans le métavers, on voit bien que ça peut intéresser un enfant de 5 ans. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de non. se passer. Effectivement. Et, 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 et ça peut intéresser tout le monde. Donc, euh, ça peut intéresser tout le monde parce que c'est une sorte. Il n'y a plus euh, la difficulté de l'interface écrite, en fait, ou même image. C'est-à-dire qu'on est, qu est soi-même engagé dans son corps. Et d'autre part, il y a une autre dimension qu'il ne faut pas oublier c'est qu'autant Internet était une nouvelle utilisation de notre cerveau. Alors il y avait eu euh, les, les études sur les médias chauds, les médias, mm -hmm. médias froids, sur. Enfin c'était très intéressant. C'est-à-dire que Internet a créé une situation où après la télévision, on revenait à, à une dimension de l'écrit, euh, mm -hmm. euh, mais d'une nouvelle manière telle qu'on l'avait jamais connue. Et là, euh, bah, le monde virtuel, c'est et surtout dans son potentiel développement avec. Euh, le fait qu'on euh, sera peut-être 3 ou 4 milliards ou 8 milliards d'êtres humains dans le monde virtuel, en tout cas partiellement, enfin, ça, va, ça va créer vraiment euh, un nouveau contexte. Et, Donc, et, et, le, et surtout l'implication du corps, c'est ça aussi qui, 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 qui change tout. C'est-à-dire que ce n'est pas Mais, simplement les mains, c'est qu'on va s'impliquer avec tout son corps. D'autant plus qu'il y aura de plus en plus de capteurs, etc. Donc ça, ça, ça modifie notre relation au corps. D'accord, mais Et tout ça, ça c'est encore on en notre corps aussi. On l'a, on l'a on, on l'a dit. Mmh. Tout ça est encore à construire. Oui, est-ce est que alors, donc cette, cette, cette construction, elle, est, elle va se faire dans différentes euh, directions. On voit qu'il y a, ne serait-ce qu'entre vous trois, peut-être des euh, positions qui sont un peu, un peu différentes. Vincent, est-ce que euh, euh, l'enjeu d'une souveraineté européenne euh, euh, est un est un réel enjeu dans les métavers. Ou est-ce que finalement ça se passe peut-être manière un peu plus basse au niveau de l'informatique, au niveau est-ce que la, le métavers européen est une est une est une nécessité euh, Alors la, dire déjà, alors la, la notion de métavers européen, c'est effectivement euh, le thème qui a été utilisé par le candidat pr euh, président Emmanuel Macron au moment de la dernière campagne. C'est un ça fait partie du programme présidentiel. Donc, il a annoncé ça, de fabriquer un métavers européen. Donc, l'expression de départ, c'est celle-là. Est-ce qu'elle a du sens Pas sûr, parce que dire métavers européen, c'est un peu comme dire internet européen. Est-ce qu'on est très à l'aise avec cette notion-là mm -hmm. Donc, pas évident. Donc, on pourrait dire, bah, c'est peut-être des métavers européens, comme mm -hmm. vous disiez à l'instant. Et effectivement ça renvoie à la notion, est-ce qu'on dit le métavers Est-ce qu'on dit les métavers et En fait, là, c'est un peu, c'est plutôt comme l'intelligence artificielle. Quand on dit l'intelligence artificielle, bah, ça représente, je dirais, le savoir-faire, la pratique de l'intelligence artificielle. Mais les intelligences artificielles, ce sont des instantiations, des cas particuliers d'utilisation de l'intelligence artificielle. Par exemple, quand vous utilisez Google, vous commencez à taper votre requête sur Google Search, et puis en gris, il termine votre phrase. C'est de l'intelligence artificielle, c'est une intelligence artificielle. Quand vous utilisez sur votre smartphone et vous lui parlez en disant euh, euh, qui était Robespierre, et bien à ce moment-là, euh, c'est de l'intelligence artificielle, donc c'est une autre intelligence artificielle. Bon, de, de la même manière, on va avoir des métavers. Alors là, au niveau des métavers européens, là encore, ça va être compliqué parce qu'à partir du moment où une utilisation existe, une grande utilisation, elle est mondiale. Donc, il faudrait plutôt parler, et là on revient sur la notion de souveraineté, des métavers à l'européenne. C'est-à-dire mmh. comment l'Europe s'approprie ce nouveau média, cette, nouveau, euh, cette, cette nouvelle euh, vague technologique pour assumer, affirmer sa souveraineté. Je peux continuer, mais euh, c'est. Bon, alors, euh, après la question, c'est comment on fait on a vu pendant les dix dernières années, on s'est fait envahir par les GAFA et leurs équivalents chinois, BATX et la deuxième génération NATU, enfin, on va dire les big tech dans leur ensemble. Et il n'y a pas de big tech européenne, donc ce qui pose évidemment un problème de souveraineté. Les big tech, aujourd'hui, sont les sociétés les plus puissantes du monde. Dans la bourse, c'est la capitalisation boursière mondiale mm -hmm. supérieure, pour vous donner un ordre de grandeur. Euh, Aujourd'hui, en cash, Apple a 200 milliards de dollars. Donc, ils rachètent 10 fois la Société Générale, comme ça, demain matin, en cash. Et leur puissance, c'est une puissance dans le domaine de la capacité de maîtriser toute l'information et nos data. On a vu cette puissance s'exprimer au travers de l'affaire Cambridge Analytica, si vous vous en souvenez. C'est un, un, un triple scandale, puisque finalement, les, les, les data qui avaient été captées par Facebook ont été vendues à une société privée, donc déjà sans contrepartie et à l'insu des dizaines de millions de personnes qui se sont fait déposséder de leurs data. Donc c'est déjà un pillage. Ensuite, c'est une violation de leur vie privée. Et troisièmement, ces informations ont été utilisées pour les manipuler dans le cadre d'une élection, en l'occurrence celle de Donald Trump. Et donc c'est aussi une menace sur la démocratie. Donc on voit un peu le niveau de puissance au niveau de l'information qu'ont déjà eu les GAFA qu'ils ont acquises dans les dernières années. Et ça, ça va s'accroître avec le métavers. Je vous donne juste un exemple. Michel Salovkos disait à l'instant euh, il y a une dimension du comportement de l'individu. Donc, c'est des datas en plus et qui sont d'autant plus intimes. Mais l'intimité va même au-delà. Puisque dans les casques, typiquement de réalité virtuelle, il y a des caméras qui détectent la dilatation de l'iris, qui détectent les mouvements involontaires des yeux. Et ça, c'est l'expression de notre inconscient. Donc, on va une dimension encore supplémentaire et qui va donc accroître cette puissance de l'information des GAFA. Donc évidemment, en okay. termes de souveraineté, c'est énorme. Très bien. Alors, juste peut-être, euh, 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 Ariel, je crois que la question pour toi des GAFA ou des Big Tech, euh, elle, elle prend une couleur particulière. Euh, Est-ce que le euh, parce qu'en fait, moi, moi, ce qui m'intéresse dans dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, par rapport à la, à la souveraineté européenne, c'est pas tant les métavers que les moyens de ces métavers, c'est-à-dire les moyens que l'on met en, en, en œuvre, que ce soit en termes de logiciels, donc de technologies et de moyens euh, industriels, euh, de réglementation aussi. Euh, L'Europe vient de mettre en place le DMA, donc la Digital Market Act et le Digital Service Act, qui, à mon premier étonnement, sont des réglementations qui sont contraignantes pour les, pour les big tech. Euh, Ariel, toi, donc, quel est le. J'aimerais avoir du mal à me positionner par rapport à ce qui vient d'être dit. En fait, pour moi, il n'y a pas de rupture, il y a une continuité. En fait, hein, et voilà. Donc, euh, je ne vois pas d'immenses vagues nouvelles. Je pense qu'on est dans la suite logique d'un chemin de technologie et, effectivement, euh, avec des potentiels nouveaux, avec un peu plus de, un peu plus de, 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 de débit, la course à l'échalote du débit, effectivement, en permanence, avec la création de besoins plus ou moins utiles et nécessaires. Bon. Donc, pour moi, je ne vois pas de rupture fondamentale. Je veux dire. En revanche, ce que je vois de manière très claire, c'est qu'en euh, arrivant ici, je suis passé dans un marché, j'avais des odeurs d'ail, j'avais des odeurs de, de paella, j'avais des, de, des odeurs de poisson, j'avais des odeurs de café. Ce n'est pas de sitôt que je les aurais, avec en plus le, le côté matériel, de voir les gens parler, etc., toucher les choses, que je l'aurais avec le métavers. Euh, la question est celle du rapport au réel qu'on a tissé, du rapport à, 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 à ce qu'on appelle encore la nature parfois, euh, mmh. et des choix qu'on va faire par rapport à, à l'ensemble de ces équilibres-là qui sont des équilibres de vie quelque part. Bon, euh, il me semble que même si on, on parle de ce principe que les dix métavers, parce que j'ai beaucoup de mal avec cette expression, pour moi ça n'existe pas, avec les univers virtuels partagés mmh. qui vont se développer de multiples façons. Euh, est-ce qu'ils iront jusque-là Est-ce que je vais pouvoir passer par la machine, mon canard à l'orange, euh, et le manger grâce à la machine Un, un canard de 0 et de 1 Donc, ok, on peut dire qu'on est dans le monde de l'information, qu'on est dans le monde de voir de la connaissance, ce qui est plus intéressant. Mais, euh, je veux dire, je sais, pour moi, la problématique, elle est en amont de tout ce qu'on vient de dire. Euh, en amont de tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que. À un moment donné, parce que, y compris le corps Nintendo avec sa console, à un moment donné, il y avait une, une action euh, corporelle hein, de, de, de l'une de des fameuses consoles Nintendo. Est-ce que les gens vont avoir envie de faire ça Est-ce que les casques de réalité virtuelle fonctionnent ou pas parce que Ça existe depuis très longtemps, la réalité virtuelle. Ça a fonctionné dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la simulation, l'armée, etc. Ça n'a jamais fonctionné dans le grand public. Est-ce que les gens vont avoir envie de mettre un casque euh, avec en plus un gant, etc. Je ne suis pas certain. Et je ne suis pas certain que ce soit là le problème. Le problème, pour moi, il est vraiment euh, en amont de tout ça. Il, est, il a été symbolisé par le fameux Schmidt, qui à l'époque dirigeait, en tout cas il dirigeait pas vraiment, mais était la marionnette en chef de Google. Lorsqu'il a expliqué, c'était au forum de Davos, c'était en 2015, mais vous savez, en fait, Internet va disparaître. Voilà. Internet va disparaître. Bon. Ah ouais, mec, pourquoi, pourquoi Parce qu'en fait, ça va être comme l'électricité. En fait, plus on va avancer, moins on aura besoin de savoir qu'il y a Internet. Et je me souviens d'une discussion avec un designer de technologie qui s'appelait David Greenfield, et on, on, on s'amusait ensemble en disant, mais le problème, ce n'est pas de faire disparaître Internet, c'est au contraire, l'inverse. Lui disait, on s'amusait, disait, on c'est d'apprendre la politesse aux machines, c'est de pouvoir dire, non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas, je ne veux pas de ça. Il faut plus que jamais que les technologies soient visibles, il ne faut pas qu'elles soient invisibles. Il faut les rendre visibles. Il ne faut pas les utiliser à l'insu de notre plein gré, comme un célèbre coureur cycliste qui se droguait à l'insu de son plein gré, en fait. Donc le problème, il est en amont de tout ça. Qu'on dise qu'il y aura ou pas des métaverses, qu'on parle de métaverses mmh. ou pas. Moi, bon, une nouvelle fois, je préfère ne pas utiliser le terme parce que j'ai pas envie de faire plaisir à Mark Zuckerberg. Donc, je considère qu'il y a des univers virtuels partagés, que la technologie elle continue effectivement plus ou moins son progrès et elle continue à dépenser une énergie folle, quoi. Quand on sait le, le, ce que dépensent les NFT en termes de dépenses énergétiques, c'est monstrueux. Ah, on va, donc, on va donc à, à cette donc, à un à moment donné, la question est en amont. Oui, je comprends. Au fond, est-ce qu'on a envie de technologies nativement participatives, nativement écologiques, c'est-à-dire qu'ils ne dépensent pas Il y a des gens qui bossent là-dessus à MIT. Hein. Il y a des... Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui travaillent sur ces questions-là. Il y a des gens qui bossent sur ces, ces points-là. Mais la question, elle est en amont de tout ça. Et la question marketing du métaverse, en toute honnêteté, je m'en contrefous comme de ma dernière chemise, parce que c'est pas ça qui est important. Important, c'est notre vie à tous. Je vais euh... pouvoir continuer à aller dans mon marché et, euh, et à sentir le café. Avec Vincent, vous, êtes, vous avez chacun avec vos mots, vous vous retrouvez sur cette notion que, effectivement, si on n'y prête pas garde, ces technologies vont être de plus en plus intrusives. Ce que Marshall McLuhan euh, parlait de la distance oui, entre mais, le mais, média aujourd'hui et, 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 et l'opérateur. Donald Trump, c'est le poupette-master. C'est-à-dire que le, les enfin, jeux en réalité alternée, QAnon, le complotisme, ouais, le complotisme ouais. existent déjà comme des jeux en réalité alternée, c'est-à-dire des jeux mixant le réel et le virtuel. Ouais. Tout ça existe déjà. Mm -hmm. En fait, les problématiques sont très puissantes d'ores et déjà, sans parler le métaverse, sans parler de, de tout ce truc-là, de, de toute cette, euh, cette fumisterie, euh, plus Mais, ou moins utile, plus ou moins profitable. On est, on est d'accord que, on, on que, alors, déjà, le mot métaverse, n'est pas une marque. On est d'accord. Il bah, n'appartient pas. Alors, si ce n'est que peut-être que Zuckerberg a réussi à faire un hold-up du. Oui, euh, oui du... exactement. C'est un, un putsch de communication. Hein. Là, là, je suis parfaitement d'accord. Euh, euh, le, mot, le mot préexistait avant Zuckerberg. Hein, et, et puis, il a, fait un, il a fait une excellente campagne de communication là-dessus, euh, qui va, à mon avis, se retourner contre lui. Mais euh, euh, à partir du moment où. Alors. Allez, on fait de la prospective, hein, donc on se mouille un peu. Euh, moi, je, je, probablement, le, le premier produit qui sera véritablement grand public, ce sera de la. Parce que les, les, les lunettes de Zuckerberg. Ce n'est pas au point. Enfin, je veux dire, moi j'en ai une, on ne peut pas rester plus d'une heure dedans. Le, le premier effet, c'est vraiment waouh, wow, parce que c'est très impressionnant comme, euh, comme utilisation. Euh, mais pour, euh, pour des applications telles que les voudrait Zuckerberg, c'est-à-dire réseau social, etc., ça ne marche pas très bien. Euh, je pense que ça marchera beaucoup mieux, euh, comme le dit euh, Michel Salof cost euh, pour des applications éducatives. Je, je vais vous prendre un petit exemple. Euh, quand vous voulez expliquer à un enfant petit ce que c'est qu'un volcan, euh, vous commencez par lui dire bah, c'est une montagne qui fume et de temps en temps il y a de la lave, ça explose. Bon, alors il essaye de s'imaginer un peu à quoi ça peut ressembler. Puis vous dites bon, et c'est pas très concret, il comprend pas très bien, je vais faire un croquis. Donc premier média, papier-crayon. Puis après vous dites bon, en fait, il faudrait qu'il voit ça de manière un peu plus animée, donc je vais lui montrer un documentaire. Deuxième média, le cinéma, télé télévision. Et puis de proche en proche, finalement, il y a un moment donné, il faut qu'il comprenne ce que c'est que la chambre magmatique, ce que c'est que la, la cheminée, ce que c'est que les couches géologiques, ce etc. Bon, il y a un moment donné, si vous lui mettez un casque de réalité virtuelle, il peut rentrer dans le volcan, il peut poser des questions. C'est un média qui. C'est un média de plus. Voilà. On a eu la radio, on a eu la télévision, on a eu un smartphone, on a eu des écrans de. Euh, D'ordinateurs, on a eu euh, euh, des tablettes. À chaque fois, chaque média apporte quelque chose en plus, ou, ou en moins d'ailleurs, hein, pas forcément, mais simplement c'est un outil supplémentaire qui permet de faire des choses en plus. Voilà. Alors ces univers partagés, puisqu'on va ne pas utiliser le mot métavers qui effectivement n'existe pas encore, mais. Mais s'il appartient à la communauté, on peut se l'approprier quand même. Euh, Est-ce qu'effectivement, il y a cette question moi, qui m'intéresse beaucoup de la distance entre le média et l'opérateur Ou effectivement, entre euh, la télévision, la presse bon, La presse, ben, y a, on va dire psychologiquement et physiquement, il y a le plus de distance, puisqu'il faut lire, etc. La télévision, ben, le média se rapproche et petit à petit, on est en train de réduire la distance entre le média et l'opérateur. Est-ce que c'est une vraie question, ça ou Certains disent, oh oui, mais là on va on va vers une confusion entre réel et puis virtuel si on arrive à des technologies très très immersives. Qu'est-ce que tu en penses, euh, euh, Michel Oui, ben d'abord ça c'est une très bonne question. Et c'est aussi un élément de réponse par rapport à ce qui a été évoqué précédemment, c'est-à-dire la question de euh, est-ce que le, le métavers va remplacer mon marché euh, mm -hmm. Quotidien, etc. Je pense qu'il ne faut pas du tout penser comme ça. C'est comme le, la question euh, du, de l'intelligence artificielle remplaçant le cerveau. En fait, il y a beaucoup d'incompréhension de, de, sur ces sujets. Euh, l'intelligence artificielle, et même mon ordinateur, mon laptop, est déjà beaucoup plus intelligent que moi. Euh, actuellement. Enfin, bon, je n'ai pas une mémoire qui permet d'avoir en mémoire l'encyclopédie euh, universalisme Mon ordinateur là est, est, est dix fois l'universaliste. Donc, si vous voulez, euh, le, faut pas, je pense qu'il faut essayer de comprendre la singularité de l'intelligence artificielle ou la singularité du métavers. Il ne faut pas vouloir que l'intelligence artificielle, artificielle fait déjà beaucoup mieux toute une série de choses que, et, que nous, et dans le futur, elle le fera encore plus. Mais ça ne veut pas dire que notre intelligence ou notre manière de penser n'a pas une valeur par rapport à l'intelligence mmh. artificielle. Et de la même manière, je pense, et ça s'est passé aussi avec l'apparition des villes, par exemple, versus la nature, que plus on va aller dans le métavers, plus on va apprécier. Euh, la réalité, non métavers, parce que justement, on aura envie de revenir, euh, euh, comme les villes nous ont amenés à la campagne. Euh, le métavers va nous ramener à une relation euh, humaine, réelle. Cas, ça va nous faire découvrir euh, certains aspects de la réalité qu'on ne voyait pas avant, parce que, justement, ça, par contraste, on va en apprécier encore mieux la réalité. Oui. Mais, le, mais le, le métavers, si vous voulez, crée, en tant que nouveau média, euh, et quelque chose de, 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 de considérable, parce que, justement, euh, ça pose la question de cette distance. C'est-à-dire que, encore dans le cinéma, vous êtes... Euh, dans une certaine distance. Enfin, déjà, le, le cinéma a quelque chose d'extraordinaire qui était euh, euh, l'image animée. Euh, enfin, on ne se, se rend pas compte de ce que c'était. Mais dans le métavers, en plus, il va y avoir aussi le mélange du métavers avec l'intelligence artificielle. Mmh. Et avec aussi la capacité euh, de recréer, par exemple, dans, très rapidement, dans le métavers, vous pourrez rencontrer pratiquement tous les êtres célèbres qu'a codé l'humanité, qui ont été reconstitués mmh. en mmh. termes d'images. Bon, vous, Marilyn Monroe ou Einstein, mmh. mais en plus, grâce à l'intelligence artificielle, on va apprendre à l'avatar d'Einstein de sortir tout Einstein. Donc, vous auriez pas, vous aurez non seulement l'avatar d'Einstein, mais vraiment comme s'il était devant vous. Et on, vous pourrez commencer à discuter avec Einstein. Einstein va vous raconter la, la relativité. Euh, euh. Donc, si vous voulez, on, il faut bien imaginer le potentiel que ça Très va bien. créer alors, entre la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, c'est co considérable. Alors, si et prof... d'ailleurs, c'est ce que disait oui. chacun d'entre nous. Par exemple, un professeur ou, ou chacun d'entre nous, et ça existe déjà, bon on sous forme un peu. Mais il est très possible qu'on soit éternalisé. C'est et, et, éternalisé. Je sais pas ouais, c'est un ouais. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on va pouvoir être dupliqué dans le métavers. Euh, nos caractéristiques intellectuelles vont pouvoir être dupliquées. Et donc, même après notre mort, c'est déjà le cas. Mm -hmm. Il y aura des gens qui auront de la nostalgie de nous-mêmes et qui pourront nous re-rencontrer de manière synthétique. Alors ça, c'est donc effectivement... ça va créer des possibilités. il y a beaucoup de potentiel. Ça, on l'a, on l'a bien compris. Il va falloir réguler. Il va falloir... Pardon La question de la distance, tu disais. Oui, elle a Juste, alors effectivement sur cette. Je vais distance... y répondre à ça si tu veux, parce que ah, c'est bah, un alors, point important justement. Euh, déjà, je voulais bien dire une chose, c'est que je suis fasciné par les nouvelles technologies, j'y travaille depuis très longtemps et, et je ne suis absolument pas technophobe, bien au contraire, c'est une grande idiotie d'être technophobe, autant que d'être technophile, justement. Euh, le... Non, euh, là où je suis d'accord, c'est qu'il y a un processus qui s'est fait de manière progressive, avec des tas de médias très différents, les jeux vidéo ont été une étape primordiale par rapport à ça, vers ce que j'appelle, moi, les fictions. C'est un mot d'un philosophe qui s'appelle Peter Zendi, c'est-à-dire ce moment où la fiction prend corps quelque part. C'est-à-dire que là, on a eu tendance bien souvent en Occident à séparer en quelque sorte le, le réel de l'imaginaire, la ce qui serait de l'ordre de, de la fiction avec un côté négatif par rapport au terme fiction vis-à-vis -vis de ce qui serait de l'ordre de la réalité. À mon avis, on en sort quelque part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que au fond, nous sommes constitués d'imaginaire, nous sommes constitués de fiction. En fait, elle participe de nous de manière très très fortement. Et cette distance avec euh, le, les, les réseaux sociaux, avec ce que j'ai Expliquer les jeux en réalité alternés avec les jeux vidéo, etc. Les distances, au fur et à mesure du temps, elle a en quelque sorte diminué, c'est-à-dire que la séparation, elle devient de moins en moins. Euh, crédible, elle est, elle est de moins en moins forte. Au contraire, on se rend bien compte qu'on est constitué. Et, et, et de fait, ce qui va se passer avec ces univers, c'est que si on est dans l'univers de Mark Zuckerberg, c'est que, et pour un, un auteur comme Philippe Cadet, c'était le pire, hein, être dans un univers fait par quelqu'un d'autre en croyant être libre alors qu'on est dans son univers à lui, quelque part. Là, il y a un immense danger, quelque part, à se dire, ce ne sera pas mon univers mais celui de quelqu'un d'autre et je ne vais même pas m'en rendre compte. Donc, lorsqu'on lorsqu prend acte de cette logique qui, à mon avis, est une continuité, en fait. C'est un mouvement depuis un moment, et ce mouvement s'accentue. Et c'est un mouvement, effectivement, où l'on voit qu'au-delà même de la distance, ce qui est en train de, 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 de se reconcrétiser, un peu comme, au fond, finalement, on retrouve le chamanisme, avec les logiques du rêve, c'est que le chamanisme, ce qui se passait dans le monde des chamans, avec les esprits, c'était réel. Il y avait une expérience, en fait. Et on se rend bien compte qu'il y a des expériences fictionnelles, avec des dispositifs. Fictionnel. Donc, le vrai danger, c'est que ces dispositifs fictionnels se donnent comme étant le réel, comme étant quelque chose, alors même qu'ils sont conçus par des gens, et ainsi de suite. Donc, il y a des problèmes éthiques et philosophiques fondamentaux qui, ne vont, pas, qui vont juste s'accentuer. Mm -hmm. Ce sont déjà des questions d'aujourd'hui qui vont avec cette notion des fictions, c'est-à-dire de fiction qui, au fond, sont déjà du réel, en fait. Mm -hmm. se... voilà. Et là, il y a une, un vrai questionnement effectivement, euh, qui, euh, qui effectivement peut se poser euh, euh, sous la forme d'une régulation, euh, sous la forme aussi d'une éducation, parce qu'effectivement, euh, notre éducation a tendance à, à, à dire aux, aux jeunes, à apprendre aux jeunes qu'il y a d'un côté la réalité et de l'autre l'imaginaire, alors même que les deux... Fusionnent de plus en plus, comme ça a été le temps euh, dans d'autres civilisations. C'est pas une grande découverte. Mmh, mmh. Hein Donc on voit qu'il y a un changement de paradigme là en, dans le rapport qu'on peut avoir à la, à la fiction et dans la conscience qu'on va avoir que chacun fabrique sa propre réalité. En fait. Et ça c'est à la fois passionnant, euh, fondamental et très dangereux. Et Vincent, oui. ça fonctionne. Alors cette réflexion-là, elle est effectivement euh, très importante, mais elle n'est pas nouvelle. Euh, est vrai, est on on se posait oui. la question oui. déjà au moment de l'émergence du cinéma. Mm -hmm. euh, on disait Mais attendez, avec le cinéma, on emmène les gens dans un imaginaire, euh, on leur fait. Euh, et, 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 et le patron de tout ça, c'est le, le réalisateur du film. Mm -hmm. Et après, avec la télévision, ça s'est encore amplifié, et, on, et, et ça a même été euh, instrumentalisé au service du soft power des États la raison pour laquelle euh, hollywood a été sponsorisé euh, par l'état américain, c'est justement pour que, en ayant une industrie du cinéma extrêmement euh, puissante, ça permette aussi d'être un véhicule du rêve américain partout dans le monde. et euh, donc, c'est un, un vrai sujet. la question, c'est de savoir, est-ce que les nouveaux médias amplifient ce phénomène? certainement. c'est-à-dire que on passe, allez, de, du soft power à la enfin, soft power et publicité. On va dire la, la publicité, c'est-à-dire la, la, la capacité euh, euh, d'amener les gens dans un certain imaginaire pour leur faire adhérer, à, enfin produire chez eux une certaine envie. Je pense effectivement que parmi les dangers qui nous guettent... Alors, pour les, les, le métavers de manière générale, hein, pas, pas exclusivement la réalité immersive, mais aussi les, les, les versions plus évoluées des réseaux sociaux, la publicité, qui pour l'instant est explicite, va devenir implicite. C'est-à-dire qu'elle va disparaître en tant qu'écran. Il n'y aura pas un écran publicitaire ou un écran, c'est plutôt, on vous dit, pervasif, c'est-à-dire un peu tout le temps. Quand euh, on parlait à l'instant du scandale de Cambridge Analytica, c'est ça que ça a illustré. C'est-à-dire que la capacité, sans faire de publicité, mais simplement passant de l'information, on est quand même dans une forme de manipulation qui est beaucoup plus développer que la publicité explicite. C'est ce que disait euh, Ariel, où il faut que la technologie reste visible pour qu'on puisse identifier le message ou le moment où il y a une interaction entre l'individu et un, Ça, oui. et et un message faut, externe. Et il faut assumer, des, des, il faut valoriser. En fait, pour moi, le grand acquis de la civilisation, ce n'est pas, pas la factualisation, ce n'est pas le fait, c'est la fiction. La fiction crée une distance. Elle, elle n'a pas de prétention à la vérité. En, quelque sorte. en revanche, elle peut nous aider à nous approcher de quelque chose qui serait de l'ordre de la vérité, de quelque chose qui serait plus juste, en fait. Et donc, je, je vois là, moi, en tout cas, une clé dans une, dans une époque, en fait, où le, le, ce qui est de l'ordre de la parole partagée est de plus en plus fragmenté, de, plus en, de moins en moins, en fait, de plus en plus difficile à cerner quelque part. Hein. Moi, je suis très intéressé par les gens qui prônent la Terre plate, par exemple. Euh, euh, voilà, donc il y a, y a quand même d'un côté les fictions du pouvoir qui se contredisent sans cesse et qui nous disent voilà la vérité, et de l'autre, d'autres qui disent non, non, la vérité n'est pas ça, vous êtes dans la fiction. Je pense que là, la logique de valoriser les dispositifs qui sont des dispositifs que moi j'appelle fictionnels et d'en faire des dispositifs philo-fictionnels, c'est-à-dire avec une portée philosophique, une portée constructive et non pas forcément destructive, de l'ordre de la schizophrénie, euh, là, il y a un enjeu qui, est pour moi, est absolument majeur dès lors qu'on a admis cette idée qu'on est en plein dans les fictions. C'est-à-dire que lorsque vous aviez les, les, les chamans de Sibérie, euh, alors d'abord, il y avait plusieurs tendances. Il y a celles qui sont beaucoup plus partageuses, dans la, la, la fameuse tente sombre, donc tout le monde participe en quelque sorte de ce voyage des esprits, euh, mais il y avait des dispositifs, c'est-à-dire que à entrer dans le rêve et le prendre comme réel, c'est très dangereux quelque part. Mmh. Et donc, au fond, finalement, euh, les technologies augmentent le potentiel, en bien et en mal. Mmh. C'est toujours été ça. C'était, mmh. ça change la réalité, ça change, ça change notre rapport au monde, euh, ça l'intensifie parfois. Au contraire, bah, des fois, ça, en, ça, ça le diminue, ça en diminue l'intensité. Euh, donc, c'est pas neutre. Euh, mais en revanche, il est essentiel de s'en emparer pour faire en sorte que ne bah, pas simplement subir et subir des mondes qui nous seraient en quelque sorte imposés, ouais. ou des réalités qui nous seraient imposées comme de l'ordre de Tout la fait. réalité, Exactement. alors qu'elles ne le sont pas. Mmh, mmh. Alors qu'au contraire, on a, je veux dire, euh, voilà, on, on peut considérer que l'intelligence des machines, elle est logico-déductive, c'est le terme de l'intelligence artificielle, et que contrairement à ce que disait mon ami euh, à ma gauche, mon ordinateur est un idiot congénital parce qu'en termes d'intelligence sensible, en termes d'intelligence spirituelle il est d'une nullité absolue et il va le rester longtemps. Merci, Mi euh, M Michel. Une petite ré réaction, puis on se tournera vers, vers la salle. je pense en, en entendant tout ça. En fait, la, la question essentielle qui apparaît, et qui est vraiment la question aussi de la distance, c'est est-ce que le métavers ou ce, ce enfin, encore une fois, bon, les noms ont peu d'importance. Ce qui est en train de se passer dans le domaine de du multimédia augmenté, etc. Bon, enfin, bon, comment on le définit Est-ce que c'est un nouveau média ou est-ce que c'est un nouveau lieu mmh. Mmh. Ça, c'est une vraie question. Parce que, si vous voulez, on a euh, dans l'expérience humaine l'apparition des villes. Les villes étaient complètement artificielles. Euh, les villes, c'était un endroit impensable. C'était une utopie, puisque de toute façon, les gens vivaient dans leurs champs pour manger euh, la nourriture qui poussait dans leurs champs, et les campagnes étaient euh, omniprésentes, et 90%, voire 99% de la population vivait dans les campagnes. Donc les villes ont été la constru une construction complètement utopique et improbable, si vous voulez. Et surtout le fait que les villes deviennent beaucoup plus importantes que les campagnes, c'était complètement improbable. Mais de la même manière... Euh ce que je trouve qui est intéressant de se poser, c'est est-ce que dans 100 ans, le métavers ou l'équivalent, euh, évidemment développé tout ça, ça ne sera pas un lieu. Mm -hmm. Est-ce que en fait, ça n'aura pas pris la place de la réalité, c'est-à-dire qu'il y aura une sorte d'inversion, un peu comme les campagnes et les villes, c'est-à-dire qu'en fait, euh, le métavers sera plus réel. C'est un peu comme les villes qui sont plus puissantes. Et donc finalement, c'est elles qui construisent la réalité. Et les, les gens des campagnes sont obligés de, se, de travailler pour les villes, si vous voulez. Qu'ils ne comprennent pas bien. Mais de toute façon, les, les décideurs, les gens qui font l'argent, euh, les, les effets de levier sont dans les villes, si vous voulez. D accord, d accord. Mais petit à petit, on pourrait très bien imaginer, c'est un peu le cas avec la bourse, à travers les... enfin, que le monde virtuel devienne beaucoup plus réel, beaucoup plus important que le monde réel. Alors ça, c'est ce, ce renversement, il est, est il, est, un, il, est, il, il est intéressant. C'est un oui. très grand renversement. Bon, on va pas pouvoir. Vous l'avez compris, le, les métavers, c'est un sujet qui sont très complexes. Je vous remercie. J'espère que cette table ronde vous aura permis de vous intéresser à ce sujet. Merci.